Le pouvoir de la connexion, Bruno Marchal. Bruno Marchal, et salut les pirates, salut les héros de la vie, salut cette tribu. Aujourd'hui, on va parler de la formation qui sort aujourd'hui, oui, bien sûr. C'est comprendre les crises existentielles et féminines et comment les comprendre et comment surtout agir. Tout le monde traverse des crises dans sa vie. Et très souvent, aujourd'hui, je m'aperçois que les crises existentielles, qui sont des trucs très perso, eh bien, vont se propager dans le couple comme un peu une crise sanitaire fait une crise économique, qui fait une crise sociale et qui fait des crises mentales. Et bien voilà, c'est un peu la même chose. Donc la formation sort aujourd'hui. Si vous êtes en crise, vous êtes une femme en crise, ou si vous avez votre femme qui est en crise, ça peut vous aider beaucoup à comprendre, à pas faire d'erreurs et faire en sorte que vous vous retrouviez après cette crise. Aujourd'hui, on va parler notamment de l'engagement, de la notion de l'engagement. C'est ça, la motivation du matin. Je m'engage, et quand je m'engage dans un truc, j'y vais à fond. Souvent, on me dit, oui, mais je sais pas, j'ai des doutes parce que on m'a dit que ma conjointe avait dit à une amie que c'était fini, qu'elle ne reviendrait pas. Oui, mais c'est des discussions, elle parle. J'avais un coaching cette semaine où la personne m'a dit, mais ma conjointe a parlé de divorcer, elle a parlé de prendre une maison, elle a parlé, et je lui ai fait répéter, j'ai répété, et effectivement il y avait quatre fois le mot elle a parlé, mais il n'y avait pas, c'était pas des verbes d'action effectivement, et pour l'instant il ne se passe rien. Donc votre engagement à réussir, c'est quelque chose qui va être fort dans votre rêve, qui va être votre pierre angulaire. Quand on veut être motivé, bien on s'engage. C'est d'ailleurs le plus grand pouvoir. Si vous décidez de poursuivre vos rêves, c'est de s'engager sans détour dans un projet. Voilà, vous décidez de vous engager. Vous ne demandez pas à un ami, est-ce que je dois m'engager dans le fait de poursuivre ma famille après la crise? Est-ce que je dois patienter? C'est pas ça que vous demandez. Vous dites, voilà, je décidais que j'allais récupérer le couple après la crise existentielle. Donc je sais qu'il faut que je patiente, et si tu veux m'aider, tu vas pouvoir m'aider à me divertir, en faisant des trucs rigolos ensemble, tout ce qu'on veut, à nous inviter avec ma conjointe à manger pour qu'on passe des bons moments ensemble. Voilà, mais je te demande pas si ce que tu ferais toi. Oui, mais moi je ferais, non, on ne sait rien ce que tu ferais. Laisse tomber, pense à toi, donc on s'en fout. Vous avez donc choisi de poursuivre votre rêve, et c'est de la qualité de votre engagement que va dépendre la réussite du projet ou pas. Souvent on me dit, mais combien de temps ça va durer la crise de ma conjointe ou de mon conjoint? Ça va dépendre de votre degré d'engagement pour travailler sur vous, pour créer des bons moments, pour badiner, pour avoir de l'humour. Ça va dépendre de votre engagement. Finalement, plus vous allez avoir des images de vous-même en situation de réussite, en passant des bons moments, en vous imaginant en train de passer des bons moments, plus vous allez vous projeter dans un futur positif, promoteur, plus vous allez visualiser à partir du présent comme quelque chose qui s'est déjà produit, ce futur. On y est déjà, on a préparé nos liens neuronaux, on ressent déjà ce plaisir d'être ensemble, on ressent cette fierté, ce plaisir d'avoir sauvé ses enfants d'un divorce, d'avoir juste passé une crise existentielle qui n'était que ça. On est fier, ou d'avoir trouvé une maison, ou d'avoir trouvé un boulot, ou d'avoir créé sa boîte. On ressent cette fierté déjà dans le présent comme si c'était dans le futur. Et c'est ce que j'appelle, on va se souvenir du futur. Souvenez-vous du futur. Ouais. Comment il est votre futur? Écrivez-le moi. Et chaque fois que vous allez me dire, oui, mais il a dit que là, mon psy, il a dit que, j'ai entendu une vidéo qui a dit que, ma cousine, très experte, a dit que c'était pas la peine, il fallait que je pense à moi. On s'en fout. Souvenez-vous de votre futur à ce moment-là. Souvenez-vous de votre futur. L'excellence, c'est ça. C'est. On se repose. Mais on se repose sur quoi? Sur le fait de croire en ses capacités. On se repose sur le fait qu'on sait s'engager. On se repose sur le fait... Non, on ne se repose pas comme ça. Oui, si vous avez un coup de mou, de temps en temps, reposez-vous. Allez, ok. Quelques heures, c'est bon. Et puis on repart. Allez, on repart, les armes. On met un petit mot là sous les commentaires à la tribu des pirates. On est des pirates. On s'entretient. On se donne des coups de boost. Et ouais.
Non seulement vous avez les formations, vous avez les coachings, tout ça, c'est, je ne vous l'ai pas dit, d'ailleurs c'est un descriptif de cette vidéo, donc comme la formation d'aujourd'hui, comprendre la crise existentielle de sa conjointe et de la résoudre, tout ça c'est un descriptif de ces vidéos, comme le coaching. Le coaching c'est une heure et 15 jours de suivi, plus effectivement, si vous en avez besoin, d'un débriefing, voire d'une formation qui est offerte. Tout ça, vous avez, c'est expliqué tout ça dans le détail. L'excellence repose sur le fait de croire en ses capacités et de s'engager à agir. Pas de blabla, des résultats. On s'engage. Ouais. Mettez à profit votre engagement. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir votre objectif? Motivation du matin, allez, qu'est-ce qui va faire que vous allez le réussir? Eh bien, c'est que vous avez une profonde conviction à votre projet. Votre famille, c'est plus important que tout. Votre famille, vous allez arriver à la sauver si c'est ça votre objectif. Je sais pas, moi, si vous me dites mon projet c'est de divorcer pour faire autre chose, ben ouais, ok, je vais vous aider. Je suis pas pro-famille ou contre-famille, c'est juste que la nature préfère que l'on vive en clan, en famille, en couple, parce que c'est plus pérenne de façon énergétique. C'est comme ça qu'on a développé notre cerveau, oui, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on est heureux, c'est comme ça qu'on a le plus de liberté. Et c'est pas parce qu'on traverse une crise qu'on doit tout envoyer péter. Oui, d'accord, je suis d'accord avec ça, je vais vous aider à ça. Mais si vous me dites le contraire, pourquoi pas? Non, ayez une profonde conviction dans ce projet. Moi, depuis 20 ans, j'ai une profonde conviction et c'est pour ça que ça marche du feu de Dieu et qu'on a remis l'église au centre du village. Ça, c'est nos private jokes de tribus de pirates. Eh bien, si vous avez comme moi une profonde conviction, c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que je veux aider les humains. Je veux aider les humains à comprendre comment fonctionnent les neurosciences, comment ça marche dans notre cerveau. Ouais, j'ai envie de vous expliquer tout ça. J'ai cette profonde conviction. Et c'est pour ça que je travaille tout le temps. C'est pour ça que je travaille le week-end. Je vous prends un coaching le week-end, je vous fais des formations le week-end, je vous fais une formation par semaine, c'est incroyable. Non, c'est juste que j'ai la conviction, la foi et l'engagement de vous aider. Hein, vous êtes les héros du monde et moi je suis juste votre guide. C'est parce que j'ai la conviction que vous avez besoin que je sois à votre service pour ça, que je le fais avec conviction. Ben oui, c'est ça la conviction, c'est ça l'engagement. Vous réussirez si vous êtes prêt à vous investir totalement et à vous entraîner très dur. Et oui, c'est comme ça qu'on réussit, en s'entraînant très dur. Vous ne pouvez pas réussir en faisant moitié, en disant je ne sais pas, je vais essayer, je vais y arriver. À la moindre contrariété émotionnelle, vous allez vous énerver. J'ai une cliente qui s'est énervée parce qu'elle a appris que son conjoint avait pris un pansement d'une voisine. Ben oui, ça arrive très souvent. Et voilà, elle s'est énervée, elle a commis des interdits. Maintenant, il va falloir bosser pour retrouver le truc. Faites ce qu'il faut, vous allez y arriver, mais faites ce qu'il faut. Entraînez-vous dur. Voilà, c'est pas au moment où vous apprenez la mauvaise nouvelle qu'il vous faut commencer à bosser, c'est avant. Quand vous dites, oui, ben, je le sais, Bruno me l'a dit, il me l'avait dit avant, je l'avais vu dans des formations, il n'y a pas mort d'homme, je sais que ça va se faire sur le long terme, mais je vais y arriver. Ça, c'est de l'engagement. Si vous arrivez à apprendre à développer votre concentration, si vous arrivez à être ouvert aux autres, si vous arrivez à écouter, si vous arrivez à vous remettre en question, tout ça c'est de l'engagement, tout ça vous allez y arriver. Oui, vous allez y arriver, bien sûr que vous allez y arriver, mais il faut passer au-delà des critiques. Il faut anticiper que le chemin sera difficile, qu'il va nécessiter de faire des sacrifices. Et oui, c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui divorcent, non pas parce qu'ils ne s'entendent pas, hein, ben oui, mais parce que leur conjoint traverse une crise existentielle et que celui qui ne traverse pas n'est pas prêt à bosser dur, n'est pas prêt à essayer des critiques, à entendre de ce que disent les gueux et les sots. Ben si vous êtes prêt, si vous êtes prête à vous engager là-dedans, vous allez réussir. Hein, vous savez que le chemin est difficile, vous savez qu'il nécessite des sacrifices, mais vous savez que vous allez y arriver. Oui, vous pouvez échouer, bien sûr que vous pouvez échouer, mais si vous persévérez, vous allez diminuer les chances d'échouer. Vous allez augmenter la probabilité de réussir. On persévère. Oui, il y a quelques... Oui, on peut échouer. Il y en a très peu de personnes qui échouent si on suit la méthode, si on fait ce qu'il faut, si on attend, si on est patient. Mais ça peut arriver. Ben, je persévère quand même.
je réussis à garder mon calme, je m'adapte au stress, je suis confiant. Vous avez les formations pour ça, vous avez une trentaine de formations aujourd'hui. Oui, vous les avez. Vous avez tous les coachings, vous avez le canal Telegram qui vous booste toute la journée, vous avez les vidéos, vous en avez deux par jour, vous avez le live toutes les semaines. Ouais, coaching, formation, live, la communauté de pirates qui vous aide, vous écrivez sous ces vidéos, vous encouragez. Vous avez tout pour réussir, vous l'avez. Mais on y va à fond. Si on n'y va pas à fond, ça va être compliqué. Ben pour réussir, ben il faut quelques prédispositions. Il faut beaucoup bosser, mais enfin, il faut l'avoir dans la tête. Il faut avoir le mental. Hein. Vous allez tous les jours vous fixer des objectifs, tous les jours, spécifiques. Vous allez écouter votre corps. Vous allez trouver la concentration la plus efficace. Vous allez toujours décider de rester positif. Vous allez le décider de rester positif. C'est une décision que vous allez prendre. Engagement. Engagement. Je ne veux plus vous entendre dire les pirates. Hein. Je vous dis là, tous ceux qui écrivaient sous les vidéos, vous allez vérifier. S'il y a un pirate qui m'écrit ça, vous lui tirez les oreilles de ma part. Si je ne vois pas le message, je réponds à la plupart des messages, mais des fois, je ne les vois pas tous. Si seulement j'avais fait, eh ben ça, je ne veux plus entendre. Si seulement. Oh, j'aurais dû. Si je ne m'étais pas énervé, si j'avais pas fait cet interdit-là, je ne le veux plus. Je ne veux plus dans votre vocabulaire. Vous ne vous occupez que de ce que vous pouvez vous contrôler à partir de maintenant. Hein, c'est votre futur, ça se construit à partir d'aujourd'hui, pas du passé. On repart à zéro, on remet tout à zéro. Oui, on part d'un point A, voilà, on est aujourd'hui le point zéro. Hein, votre conjoint est en crise, il a dit qu'il ne vous aimait plus, il a pleuré, il s'est énervé, il a dit qu'il ne reviendrait pas. Voilà, ça c'est le point zéro, on s'en fout. Et maintenant, vous allez construire chaque jour pour mettre en place votre futur. C'est ça l'engagement. Si vous voulez parvenir à votre objectif, il faut que vous soyez présent physiquement, que vous fassiez du sport, que vous mangez sainement si vous voulez, que vous dormiez bien, vous êtes présent physiquement, mais aussi mentalement. À chaque étape, je veux que vous soyez présent mentalement. C'est cette connexion concentrée, c'est la qualité, le rythme de vos apprentissages qui vont faire que vous allez réussir. Ouais, vous allez réussir, vous avez les formations, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les coachings. Eh bien, vous allez bloquer les soucis extérieurs. Hein, l'inquiétude, ça ne sert à rien, ça ne fait que bloquer l'efficacité. Vous allez faire émerger votre concentration optimale. Vous avez des fichiers là-dessus, vous avez des dans toutes les formations, je vous donne de la noridnoise, je vous donne de la motivation. Vous allez faire émerger cette concentration optimale. Vous allez effectuer des actions ciblées, vous allez regagner votre confiance, vous allez regagner votre concentration, vous allez chercher la sensation dans le mouvement, vous allez vous rappeler de ce que vous avez fait du bien dans le passé, les moments présents, vous êtes présent là, vous avez qu'est-ce que j'ai bien réussi, je suis dans le moment présent. Vous allez pratiquer des exercices de concentration, vous allez faire ces formations, vous allez faire ces coachings et vous allez y arriver. Motivation du matin. Vous avez les coachings, les formations, vous avez le Telegram, vous avez les lives toutes les semaines, vous avez qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la communauté, vous avez la tribu, vous êtes des pirates, vous êtes des héros du quotidien. Hein, vous êtes, c'est vous qui avez raison par rapport à l'avenir. Vous n'avez pas raison trop tôt, vous avez raison au bon moment. Hein, la crise existentielle aujourd'hui, c'est plus synonyme de divorce. La crise existentielle, c'est synonyme aujourd'hui d'on se remet ensemble après la crise parce qu'on sait faire. Et puis on va en parler autour de soi. Et puis on met des pouces en l'air. Et puis on met des commentaires. Et puis YouTube va diffuser ces vidéos. Et nos idées vont circuler. Et vous allez être les héros du temps moderne. Je vous kiffe les pirates. Allez, pouce en l'air, commentaire. abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez-moi des commentaires pour booster les pirates. On y va à fond. On prend les formations. Si vous êtes un homme, prenez la formation crise existentielle de la femme aujourd'hui. Si vous êtes une femme et que vous avez l'impression d'avoir été en crise, vous pouvez la prendre aussi. Formez-vous. Allez-y. On y va à fond. Ce n'est pas par un silence radio. Ce n'est pas par notre magie qu'on va y arriver. Silence radio, c'est « je ne fais rien, j'attends ». Non. On bosse dur. Et on crée des bons moments avec les personnes et dans le temps, après la crise, on revient ensemble. Ok, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.